Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours en ce mercredi, fête de la Saint-Jean-Baptiste, fête nationale des Québécois qui n'ont pas de pays. 24 juin 2020, 10h23 du Québec. On est en pleine campagne électorale aux États-Unis. Trump essaie de ranimer ou de réanimer les vieux éléments de sa campagne électorale de 2015-2016. Et il revient sur les exploits de son fameux mur qu'il devait construire. Qui est loin d'être accompli, que le Mexique paierait pour le fameux mur. Parce que c'est un autre des accomplissements, d'abord, qui était complètement démagogue et insensé de vouloir construire un mur en 2020. C'est la seule chose dont tu n'as vraiment pas besoin, des murs pour diviser les gens, séparer les gens, empêcher les gens, ou lancer un signal que toi, tu veux personne chez vous, puis que tout le monde sera refusé. C'est complètement aberrant, surtout quand les États-Unis ont été les plus grands promoteurs du colonialisme et de l'impérialisme et de la création de la misère dans les pays d'Amérique centrale. Enfin, une aberration totale. On va aller écouter Donald Trump qui disait que le Mexique paierait pour le mur. Après ça, on va aller voir les derniers développements, parce qu'hier, Trump était en Arizona, puis il est allé devant son mur. Puis on va aller voir c'est quoi la vérité sur la fameuse construction de ce mur-là. Il y a combien de murs nouveaux? Parce que c'est ça qui est important. Quand tu remplaces, c'est pas la promesse qu'il avait faite, je vais remplacer des murs. Non. On va aller l'écouter d'abord nous dire que c'est le Mexique qui va payer. To pay, I can. If the wall costs $10 billion, I guarantee you folks that Mexico is going to pay for the wall. Just as sure as you're standing there, we just... Et après ça, il continue à l'Assemblée des Nations Unies. We didn't discuss the wall. We didn't discuss payment of the wall. That'll be for a later date. This was a very preliminary meeting. I think... Donc, il nous dit que... Where is you're standing there? Mexico is going to pay for the wall. Just that Mexico is going to pay for the wall. And to you folks, that Mexico is going to pay for the wall. Just... Wow. Donc, on s'en va voir cette nouvelle-là qui nous est rapportée du Los Angeles Times. Trump fait campagne sur les progrès du mur frontalier. Il n'y en a pas eu beaucoup, dans le fond. Le président Trump, dont les plans pour faire campagne sur une économie en plein essor ont été ruinés par le coronavirus, s'est rendu mardi à l'extrémité sud de l'Arizona, donc hier, pour souligner l'achèvement de plus de 200 000 de puissants murs frontaliers avec le Mexique. Il n'a pas mentionné les petits caractères, Presque tous les 216 000 construits depuis que Trump a pris ses fonctions ont remplacé les clôtures obsolètes ou des clôtures obsolètes ou délabrées. Selon le rapport de situation du 19 juin du Homeland Security, un organisme gouvernemental sur le mur, seulement environ 3 000 de nouveaux systèmes de murs frontaliers ont été construits dans des endroits où aucune barrière n'existait auparavant. Trump a promis à plusieurs reprises pendant et après sa campagne de 2016 qu'il ferait payer le Mexique pour un grand beau mur sur toute la frontière de 1954 000. Jusqu'à présent, l'administration Trump a dépensé 15 milliards de dollars pour le projet. Le Mexique n'a rien payé. Conscient de cet écart, Mark Morgan, le commissaire par intérim des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, a déclaré que le fait de couper les cheveux sur la quantité de murs neufs constituait un faux discours politique. Du point de vue de l'application des lois opérationnelles, ce sont de nouveaux kilomètres de système de murs qui entrent dans le sol, a déclaré Morgan aux journalistes. Trump a promis de terminer près de 500 000 de murs d'ici la fin de 2020 lors d'une table ronde dans une station de la U.S. Border Patrol à Yuma, en Arizona, avant de visiter une section de murs à proximité. Il a présenté les murs neufs et rénovés comme quasiment non escaladables et a déclaré que les passages frontaliers illégaux ont chuté de 84 % au cours de l'année dernière, bien que la baisse soit en partie due à la... au cratère de l'économie cette année, à cause de la pandémie. C'est pour ça qu'il y a eu une baisse de gens qui rentrent aux États-Unis, parce que c'est vraiment désastreux, l'état de l'économie américaine. Donc, avant, tu avais beaucoup d'emplois qui se créaient, de petits emplois mal payés, et c'est pour ça que les gens rentraient aux États-Unis pour aller remplir ces emplois-là. Maintenant que l'économie est effondrée, c'est sûr qu'il y a moins de monde qui se lance vers les États-Unis.
La lourdeur commerciale du président effectuant son deuxième voyage en Arizona en 6 semaines suggère qu'il cherche toujours un message de campagne gagnant moins de 5 mois avant le jour du scrutin, en particulier dans un État qu'il a remporté haut la main en 2016, mais qui apparaît maintenant être en faveur et à la portée des démocrates. Et c'est pour ça qu'il essaie de raviver cette idée-là. Mais si on regarde ce qui se passe aux États-Unis avec surtout le meurtre de Floyd, de George Floyd et tout le mouvement qui en est sorti, qui est né de ce meurtre-là, la majorité blanche même est derrière Black Lives Matter, et avec raison. Et on veut des réformes de la police profondes, et avec raison, des réformes de l'économie et des injustices qui sont partout aux États-Unis. Et moi, je l'ai visité souvent, ce pays-là, et je peux vous confirmer que c'est vrai. Et que de ramener le discours racial et d'immigration, ça va vraiment nuire à Donald Trump cette année. Vraiment, vraiment nuire. C'était vraiment pas une bonne idée de revenir là-dessus. Joe Biden, candidat démocrate, présumé, mène Trump de 4 points de pourcentage en Arizona. Donc, la visite à Yuma, puis à Phoenix, a marqué la première apparition politique de Trump depuis son rassemblement peu fréquenté, hein, de samedi soir à Tulsa, en Oklahoma, ce qui a suscité des spéculations de certains républicains selon lesquels la campagne de Trump avait besoin d'un réoutillage majeur. La campagne avait prédit une foule massive de débordements pour son premier rassemblement. Ça a été un flop total. Vraiment, vraiment total. Donc, le mur de Trump, il y a vraiment, et c'est ça qui est important de comprendre, 3000 de nouveaux murs seulement, 3000. Le reste, c'était des remplacements de clôtures, puis de murs, puis de barrières qu'il y avait déjà. Donc, encore une fois, de la manipulation de la part de l'administration de Trump, comme on est habitué de l'avoir. Manipulation, démagogie. Puis je vais revenir là-dessus. Entourant les pseudo-émeutes et les actes répréhensibles et le manque de contrôle et de loi, c'est complètement absurde. Je vais revenir là-dessus aussi. Je vous reviens.